Lancement ce matin au quartier Dembé d'une grande opération de salubrité et d'assainissement de la ville. Une opération qui concerne toutes les communes de la capitale. C'est le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena qui a présidé, donc qui a donné donc le coup d'envoi. Adef Amat Bendama. À l'initiative de la mairie de N'Djamena, une grande opération de salubrité et d'assainissement des voies publiques est officiellement lancée. Au viaduc de Dembé, tous les maires de communes ou leurs représentants étaient aux côtés du maire premier adjoint de la ville, Atigani Abdirahman Nouren. Pour donner un éclat particulier à l'opération, les agents des différentes communes se sont fortement mobilisés. Le souci actuel qui anime les autorités communales est de rendre salubre la ville. C'est une première que l'ensemble des personnels des communes de la municipalité d'N'Djamena sont sortis aujourd'hui. C'est pour donner un commencement et ce commencement, logiquement, devait être suivi par d'autres actions. Ces actions visent à enrayer ces phénomènes, n'est-ce pas, des routes sales, essayer d'apporter un plus pour que, n'est-ce pas, notre ville devienne propre. Pour la réussite de l'opération, l'implication de tous est sollicitée. Tel est le message du maire premier adjoint de la ville de N'Djamena. Nous devons enlever les ordures et les mettre à l'endroit qu'il faut. Nous devons, n'est-ce pas, ressortir de la maison aussi ces ordures. Nous ne devons pas les jeter sur la rue. Nous n'avons pas besoin de mettre les ordures sur la rue, pas du tout. Parce que d'abord, c'est une production personnelle et l'enlèvement ou la gestion, c'est une action personnelle. Dans les grandes artères de la ville, des moyens nécessaires sont mobilisés, comme ici dans la commune du 5e arrondissement. Administrateurs, agents, ceux de la police municipale sont déterminés. Sachez aussi que cette opération de salubrité dans la ville de N'Djamena a suscité la mobilisation de toutes les communes d'arrondissement. La commune du 7e arrondissement, avec à sa tête le maire Makaila Dibrin Amat, a nettoyé l'axe reliant le rond-point Dembé à celui du 10 octobre. Varelaj. Après la rencontre d'adoption du plan de contingence choléra, les autorités communales du 7e arrondissement, avec le concours des agents municipaux de la ville de N'Djamena, procèdent à une opération de salubrité. Munis de divers outils de travail, ces agents veulent, à travers cette opération d'assainissement, offrir un meilleur cadre de vie à leurs concitoyens. Nous demandons maintenant aux délégués de quartier, les chefs de carré et les délégués des marchés de poursuivre l'œuvre, que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, pour que notre environnement soit viable. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Makaila Djibrin Amat, sollicite le soutien de la population afin de rendre propre sa circonscription. Ce plaidoyer vise à prévenir le choléra qui a déjà atteint le Nigeria voisin et la région de Sila, une partie du Tchad. Cette opération se poursuivra dans les différents quartiers et carrés du 7e arrondissement. Elle consistera à enlever toutes les ordures ménagères qui sont la source de multiples maladies.